Cette émission a été enregistrée à la boutique Two Barn House à Hudson et a été rendue possible grâce à la participation du restaurant Olivia situé à Vaudreuil-Dorion. Elle doit être encore d'un bord à soi, je le sais.
cassifères dans le Viguin puis des Running Mills. Dans le genre en déhanquettant, on sera jamais tranquille. Ça me brise le cœur d'avoir trimpé dans le bas de la ville. Et tant qu'il y aura des enquêtons, on sera jamais tranquille. Fermez les enquêtons, barrez les portes. Laissez plus jamais celle que j'aime courir la Californie. J'aime pas finir par me revenir. Fermez les enquêteurs, barrez les portes. Laissez plus jamais ceux que j'aime courir la Californie. Fermez les enquêteurs, jetez les clés. Puis peut-être que celle que j'aime pas finir par me revenir. Puis peut-être que celle que j'aime pas finir. Maintenant, on parle de ta carrière, on parle d'un nouvel album que tu viens de sortir, un troisième? Troisième album. Et ça va bien? La grande visite. Oui, oui. Ça te va bien justement, ça, t'es un gars de rassemblement, donc évidemment que c'est dans cet album-là, on rencontre plusieurs covers que tu fais en spectacle depuis le début de ta carrière. Bien, c'est là le titre aussi, tu sais, je revisite, on peut dire, je revisite toutes les chansons que je fais depuis longtemps, puis aussi que je fais en show. Parce que souvent, quand je fais du spectacle, je mélange des covers puis des compositions originales. Des chansons à toi, des compositions. Puis ces chansons-là, c'est toutes des chansons qu'on me demandait, est-ce que tu l'as enregistrées? Est-ce qu'on peut l'avoir sur un de tes CD? Puis j'étais toujours dit, ouais, c'est ça. J'étais toujours en train de dire non parce que je ne l'avais pas enregistré. Exactement. J'avais juste des compositions originales. Mais justement, les gens qui te voient en spectacle, c'est vraiment des chansons. Écoute, peu importe même tes chansons, les gens, ils connaissent tes chansons. Ils sont vraiment adeptes de ton spectacle. Tu étais quand même encore la coqueluche là, des festivals. Là. J'en ai encore plusieurs, puis je suis bien content de ça. Écoute, c'est ma crowd, c'est ma famille, le country. Puis ça fait une dizaine d'années que je roule au-dessus de 45 spectacles par année en festival. Puis c'est bien le fun. J'en perds des années, j'en gagne d'autres, puis ça tourne tout le temps, puis je suis bien content. Puis honnêtement, il n'y a pas. On revient toujours à une place où ce que des années on passe, mais quand même, c'est ça qui est correct aussi. Il faut faire de la diversité. Mais c'est justement souvent les mêmes festivaliers qui s'en vont de festival en festival. Donc, c'est très facile pour toi d'avoir une proximité avec les gens parce que t'es tellement abordable comme personne. Surtout même à Mélanie, qui est ta conjointe, vous avez vraiment une belle chimie avec les gens. Et à chaque fois, ils sont toujours contents de te voir en festival puis de faire la fête avec toi puis le public. Bien, c'est ma passion. Hein, c'est ma passion. Puis ça a toujours été ma passion. De toute façon, le public aussi, tu sais, avant que je fasse des festivals country, je faisais des soirées, des bars, puis tout. J'ai tout le temps été dans le public. Puis c'est une passion. J'aime ça, échanger avec les gens, puis écouter les idées des autres. Mais... Bien, moi, je suis contente que tu n'arrêtes pas parce que, justement, j'ai grandi dans la musique country avec toi sur scène. Ben hein? Ouais, on s'est croisés ouais. tellement souvent. On a commencé souvent, pas mal ensemble puis, aussi. Je suis vraiment contente parce que tu es une belle figure de la musique country. Puis merci d'être là. 1, 2, 3, 4.
Elle tournait comme une enfant, une poupée derrière la scène. C'était facile de lui parler, on a échangé quelques mots. Je lui ai donné mon passe pour qu'elle puisse entrer voir le show. Elle s'est assise à côté de moi sur les caisses de bière. Pendant que je mixais le son pour le groupe sur la scène en arrière, elle les fixait sans brûler la peau. Je la trouvais tellement belle. Après le dernier morceau, le batteur est parti avec elle. Oh, Rosie, tout est blanc, tes yeux m'éclairent d'avoir eu un instant. J'étais tellement fier. Ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Rosie, je suppose j'aurais dû deviner qu'elle venait pour le star. Et m'empêcher de l'imaginer dans mes bras plus tard. Depuis tout le temps que j'entends ce soir, quand même j'ai compris. Faut pas dire à qui je ressens, faut dire qui je suis. Tes yeux m'éclairent d'avoir eu un instant. J'étais tellement fier. Ce qu'il me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit. Oh, si tout est blanc, tes yeux m'éclairent d'avoir eu un instant. J'étais tellement fier. À présent, l'envie de te foutre en l'air et de recommencer la nuit, recommencer. L'autre fois, je parlais avec mon bonhomme. Il me dit, Aster, t'es un grand bon. Comment c'est que tant que tu sacres le camp? J'ai dit, pourquoi je suis ben ici? Je me sens chez nous, pis je peux pas me passer du basu. Deux, trois, charles-tu de pain, tu donnes du fermé ma grand gueule. Ça fait que là, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai le coin de la rue, tout nu comme un pot. J'ai dit, m'a faire mon homme, m'a pogné une job, m'a faire le dos, m'a commencé par la peau de roue. Guizou, guizou, petit loup-garou, qui me dit d'en face, t'en rappelles-tu, tu me dois 100 piastres. Ben, laisse-moi le temps de l'oublier. En attendant, j'viens de battre ma game, t'as là-dessus de quoi pour me la payer. Deux, trois, j'arrête du pain, tu donnes du. J'suis barré tout ma tour, j'suis cassé comme un clou, tout, j'suis un poids.
chômage, pas de traiteur, je m'en voudrais au bien-être social. Une belle grande femme qui sent le couche-pouche, puis qui pousse, 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 un crayon jaune. Me demande pourquoi que je travaille pas. Rien qu'à y penser, madame, je viens tanner, y'a quelque chose en moi qui me dit que je suis pas faite pour ça. De quoi j'arrête du pain, du don, du fermé ma grande gueule. Sans amis, sans abri, puis l'hiver qui sévit, le temps passe tranquillement. Me voilà rendu vagabond dans cette situation, c'est l'amour ou bien la prison. Le juge m'a dit, vous n'avez rien commis, je vous condamne conséquemment à 100 piastres sur l'hiver en dedans. Merci beaucoup la seigneurie, en voilà un qui m'a compris. Je pense que je vais prendre l'argent de toi. J'arrête du pain, du don, du fermé ma grande gueule. J'suis barré tout partout, j'suis cassé comme un clown. Tourlou, j'suis un voyou, voyou. J'suis barré tout partout, j'suis cassé comme un clown. Tourlou, j'suis un voyou, voyou. Excusez-la. Un beau coup de cœur avec toi aujourd'hui, Vanessa. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci d'être à l'émission En route vers l'Ouest. Ben merci de m'avoir invité. On t'a connue avec des chansons francophones, mais là, tu t'en vas à l'international. Ça va bien pour toi? Oui, ça va super bien. En fait, j'ai sauté aux côtés aux États-Unis, donc c'est vraiment formidable. Oui. Et justement, dans le top des palmarès, tes chansons commencent à figurer avec des gros noms. Oui, exactement. Down by the Bonfire est maintenant dans le top 50 des charts américaines. Puis aussi, elle joue dans plus de 253 postes aux États-Unis qui tournent 5 à 7 fois par jour. Là, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment contente pour mais ça. Mais vraiment. Oui. Et puis, tu sais, il faut dire que c'est quand même avec des gros noms que tu te compares. Là. On parle justement, je pense, Adele qui est dans... Oui, ben c'est pas mal les grands artistes là, qui sont dans les charts. Là, puis, ben, les charts américaines, justement, ouais, c'est on ça, voit là, vraiment... Puis Adele, toute, Justin Bieber, il y en a beaucoup. C'est ça, dans là. Tous les genres, là, en tant que ouais, tel. Exactement. Mais bien, on le sait, tu fais de la musique country rock, là, vraiment ouais, du style... Oui, le new country. Là, oui, qu'on entend, tu sais, dans le son de Nashville, là, vraiment. Oui. Là, c'est vraiment ce que tu aspires à aller chercher comme marché. Oui, c'est ça. J'espère vraiment le faire. Là, c'est vraiment un justement, tes influences pour ton album, tu t'es inspirée. Est-ce qu'avec le réalisateur, tu l'as laissé faire ou finalement, tu as dit « Garde, moi, j'aimerais ça sonner un peu dans un genre spécifique? » Ben en fait, j'ai été vraiment dans plusieurs styles parce que dessus mon album, j'ai country rock, country pop, j'ai des ballades aussi, j'en ai composé. Mais j'ai vraiment, c'est pas le producteur qui cherchait pour moi, j'ai vraiment été dans ce que je ressentais. Je me suis pas inspirée de quelqu'un ou d'un artiste en tant que tel, je suis vraiment allée selon mes feelings. Bien, c'est vraiment le fun, je suis vraiment contente pour toi, une belle ascension et on va continuer de suivre ta carrière. On peut aller sur ton site web. Oui, qui est vanessalavoie.com, tout et simplement. Facebook, oui. Évidemment, qui est toujours Facebook un must. Facebook aussi, pour... oui, pas mal, c'est ça. Ben merci. Ben merci à vous. 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
skill sure sounds cool. To feel love, make a time for food. Everyone's saying a wish and it could. Down by the bonfire, over here all night till the sun comes up. If you're kind of loud, oh, that's fine with us. And if the sheriff comes around, we pass him the jug. Down by the bonfire, throwing a lifeguard and watch the sparks fly. Like a thousand worries disappearing. Cause the world looks better with the one you love. Watching the flames get higher. Watching the flames. Falling in love, listening.